Nous sommes jeudi 4 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce rendez-vous matinal sur National TV. Selon le calendrier des faisons, ce jour est un jour défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Ouai. Le signal est au rouge. Vous qui croyez en ces pratiques, prenez les dispositions nécessaires. La une des journaux à présent et on démarre par le quotidien Le Béninois Libéré qui a mis ce matin en manchette enquête sur l'attaque meurtrière perpétrée à Kérou. Talon veut comprendre et c'est vite. Des têtes tombent déjà en attendant la réponse appropriée aux auteurs a titré ce matin le quotidien. Le Béninois Libéré, toujours à la une du journal Le Béninois Libéré ce matin. Action du siècle de réflexion, touche pas mon parti. Encore du soutien pour le SGN Biochané dans les colonnes du journal Le Béninois Libéré. Les détails sur le titre Le Grand Regard à présent qui écrit. Massacre de civils à Kérou, l'armée prise dans le piège de l'essai de confiance, s'interroge le quotidien. Le Grand Regard ce matin, toujours à la une du journal Le Grand Regard ce matin, journée mondiale de la liberté de presse. La section Borgou de l'UPMB marque l'événement par une formation à Parakou dans les colonnes du journal. Le Grand Regard, les détails sur le titre. Un autre titre à la une du journal Le Grand Regard ce matin pour une revanquette du terrain. Paul Rumpé se donne une allure d'opposant. Dans les colonnes du journal Le Grand Regard, vous allez lire les détails sur le titre. En manchette ce matin, le quotidien Le Matinal a mis attaque terroriste à Kérou avec une dizaine de personnes tuées, une enquête ouverte. En page 2, le canal Essai. Plus de détails sur le titre. Un autre titre à la une du journal. Le Matinal ce matin, croissance démographique et développement des assises nationales projetées en page 2. Le canal Essai. Plus de détails sur le titre. Le journal du service public à présent, La Nation, qui a mis ce matin en manchette programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Les grandes orientations dévoilées en page 6, en page 3. Vous allez lire les détails sur le titre, toujours à la une du journal La Nation ce matin. Réflexion autour du contrôle des naissances, des assises nationales sur la démographie projetées dans les colonnes du journal La Nation. Les détails sur le titre. Un premier grand titre ce matin, le quotidien La Primeur a mis investiture de la 9e mandature du de l'ODEM, des jalons d'une presse béninoise New Look lancé. Dans les colonnes du journal La Primeur, voilà les détails sur le titre. Guéguerre au sommet de la hiérarchie du bloc républicain. Les militants à s'inquiéter dans la dynamique de pacification. Et le télégramme pour boucler la boucle ce matin, après les tueries de Kérou, des sanctions en vue pour les forces de défense et de sécurité. Déjà, le commissaire de Kaobagou, relevé de ses fonctions, a mis ce matin le quotidien. Le télégramme, un autre titre à la une du journal. Le télégramme ce matin, conseil des ministres du 3 mai 2023. Les travaux de l'échangeur de Vedoko démarrent début 2024. Mesdames et messieurs, ainsi se referme la présentation de quelques canaux parvenus à notre rédaction ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.